Jamy. Je te présente Sophie, ma nouvelle copine. Elle est jolie, hein? C'est vrai qu'elle est mignonne. Belle bête, Jage. En plus, il donne un lait riche et une viande tendre. Allez, Oléine, viens avec moi. Viens, voilà. Sabine, c'est prostituée. Mais non, Jamy, c'est pour une blonde. Allez, filles, allez, on arrête de traîner. On a gagné. Bravo, Claudia. Et puis, bah, bravo, Patrick. Hein. Félicitations. Bah, et les taureaux, alors? Les taureaux? Je vais te les montrer, la petite voix. Mais tu vas être surprise. Hein. Ah bon? Par ici. Suivez-moi. Michel, c'est moi. Coucou. Dis-moi, ici, si on veut voir un taureau, il faut consulter. Et alors, quels sont les critères de choix? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout les mamelles. Hein. Avoir une bonne mamelle, bien attachée. Donc, un autre critère aussi qui est important, c'est l'aplomb. Hein. On ne regarde pas seulement ses performances dans la production de lait ou la musculature. On va aussi regarder, par exemple, il donne peut-être un peu moins de lait que la moyenne des queues. Tout a commencé il y a 8000 ans, dans cette région du monde qu'on appelle le croissant fertile. Tous les mammifères produisent du lait. L'homme, tous les animaux. Les plus gros et les plus forts. Eh bien non, ce Smithland, pas autant que la vache, mais tous. Tous. Et pour produire du lait, le pipi est constitué de caca. Et le caca est constitué de pipi. C'est le message envoyé par l'hippopotame. C'est parti, sous le contrôle évidemment de Michel. On sait jamais. Michel, forever tonight. Et alors là, attention, c'est pas une mince affaire. Michel, moving in the light. On sait jamais. Michel. Alors voilà comment ça se passe. Un. Deux. Trois. 2, 4, 3, 2, 1. Et voilà, Jamy. En tout cas, j'ai réussi à la brancher toute seule. Bravo, Sabine. En fait, Sabine, t'es conne. J'ai rage. C'est à ce moment que Sabine doit presser le crayon pour en faire jaillir le lait. Jusque-là, pas de problème, seulement viens voir. Là, ce sont des génies de Nice. Et ce n'est pas tout. Ces femelles reproductrices en fin de carrière termineront également sur l'étal du boucher. Mais ça, Jamy, c'est pas du bœuf, c'est de la vache. Alors qu'est-ce qu'on mange au juste? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Je te le dis, ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange? Je te le dis, ce qu'on mange. De la viande de bœuf. Allez Marcel, on va voir les vaches. Chavache. Il y avait cette créature, aux longues cornes, hautes sur pattes et impulsives, l'auroch. Claudia, Claudia,